Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder le thème de week-end. Eh bien, l'ambiance, les rencontres, peut-être il y aura des conseils, avertissements, les guidances importantes pour vous. Pensez un petit peu à votre avis, posez vos questions, peut-être on va voir les réponses maintenant. Eh bien, le week-end. Et alors, tout de suite, je vois que vous pouvez avoir des rencontres. Donc avec vos amis, peut-être avec les gens avec qui vous avez les mêmes intérêts, donc les loisirs, c'est possible. Vous allez vraiment montrer votre intérêt, peut-être votre passion, et bien quand vous pouvez vraiment vous réaliser peut-être dans quelque chose, un projet, donc c'est possible. Et bien, et alors j'adore parce que c'est une très belle carte, un événement familial qui vous attend, donc c'est possible. Vous savez, quelque chose à fêter, donc voilà, et vous savez, en général, c'est une très belle carte pour les relations amoureuses. Ça montre que votre relation se stabilise, peut-être vous allez parler de votre futur, penser à vos projets. Vous savez, même pour certaines personnes, ça se peut que vous allez prendre la décision de s'installer ensemble, donc voilà. Ou tout simplement, si déjà vous êtes en couple et votre relation stable, peut-être vous pouvez réaliser vos projets, donc penser à votre futur, donc voilà, une très belle carte. Et peut-être une fête aussi qui sera organisée dans la famille. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Alors, j'adore parce que la carte, la force, vous savez, ça me montre déjà votre personnalité, que peut-être vous pouvez vous montrer quelqu'un charismatique, charmant, vous serez au centre de l'attention, vous allez sentir une force à l'intérieur de vous. Vous savez, ça peut être une force physique ou morale, vous allez vraiment envie, désir de réaliser plein de choses pendant ce week-end. Vous savez, c'est aussi la carte de la passion. Eh bien, très, très intéressant. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre. Et alors, une autre carte de famille, très très jolie, vous savez, toujours un accent sur peut-être une fête familiale, peut-être il y aura aussi une rencontre dans la famille, quand toute la famille est réunie, donc voilà. Et vous savez, en même temps, ça me montre la prospérité. Quand vous avez déjà dans votre vie le résultat, ça peut être lié à votre travail, peut-être, voilà, il y a peut-être une reconnaissance qui arrive, l'arrivée de l'argent, une prime, l'augmentation du salaire, ça peut être aussi un financement, donc un placement qui vous apporte le résultat aussi. Mais en général, c'est très belle carte de résultat, prospérité, quand vous pouvez vous permettre vraiment beaucoup de choses dans votre vie, bien, très intéressant. Et alors, je vois l'énergie de monsieur. Très intéressant, vous savez, c'est quelqu'un assez jeune qui peut apparaître dans votre vie, quelqu'un passionné. Eh bien, elle va vous montrer peut-être ses sentiments, donc vraiment peut-être aussi des projets par rapport au futur, mais c'est quelqu'un qui est très actif, motivé. Je pense que c'est un homme qui peut apporter des changements dans votre vie, et même un petit peu peut-être vous sauver, donc vous apporter aussi donc l'amour, les sensations. Donc voilà, et vous savez, c'est une carte qui montre que votre vie évolue au même temps que vous avez aussi cette envie, désir de réaliser vos projets et ça avance. Et alors justement, j'ai la confirmation, il y aura beaucoup de choses à faire pendant ce week-end, ou peut-être vous avez planifié beaucoup de choses, et voilà, ou peut-être il y aura aussi des événements, ça va tomber d'un seul coup, il faudra s'adapter, donc c'est possible. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Comment ça peut évoluer? Et alors, très belle carte, donc la prêtresse, vous savez, c'est un accent sur mesdames, et bien je pense que mesdames, vous allez peut-être vous montrer quelqu'un mystérieuse. Vous devez le savoir. Vous savez, c'est aussi un accent sur l'intuition que vous devez suivre cela pendant ce week-end. Et vous savez, c'est aussi un petit peu quelqu'un qui s'intéresse à l'ésotérisme. Et c'est un accent pour vous qui peut-être vous pouvez retrouver la guidance, peut-être les réponses pour votre vie, pour votre futur, même dans les tirages tarot quand vous les regardez. C'est un accent pour vous. Suivez donc la formation que vous trouvez. Ça peut être quelque chose d'important pour vous. Et vous savez, c'est aussi une femme qui fait tout simplement une méditation quand vous projetez dans le futur. Peut-être vous faites une carte de vœux. Donc voilà, c'est possible aussi. C'est un accent sur cela. Et alors, j'adore parce que la carte le soleil, vous savez, c'est la meilleure carte dans le tarot. Et ça montre quand même que ce week-end peut être vraiment une réussite. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Le succès, donc la chance aussi. Vous savez, c'est aussi la carte des vacances. Peut-être soit vous pouvez partir. Donc pendant quelques jours, pendant ce week-end, ou tout simplement vous allez vous reposer au même temps, à prendre du temps pour vous. Et en général, la carte de bons sentiments, bonheur. Donc voilà, quand vous serez vraiment content de ce week-end, de votre résultat. Et alors, j'adore parce que
Donc là, ici, j'ai l'accent sur l'amour, la relation amoureuse. Vous savez, quand déjà, vous voyez, il y a monsieur qui apparaît dans votre vie, quelqu'un romantique en même temps. Donc, je pense qu'il y aura un rendez-vous amoureux quand vous pouvez vraiment développer votre relation. Il y aura plein de projets, donc, par rapport à votre futur. Donc, préparez-vous. Je pense qu'il y aura les propositions de la part de monsieur. Donc là, ici, je vois quelqu'un qui prend vraiment l'initiative, qui veut vous montrer ses sentiments. Donc, mesdames, préparez-vous, et bien, un rendez-vous amoureux. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et justement, j'ai la confirmation, regardez, c'est la carte le magicien. Vous savez, ça montre à la personnalité d'un homme, toujours quelqu'un, vous savez, un grand séducteur. Et bien, justement, après la carte de rendez-vous amoureux, peut-être il voudra vous séduire. Préparez-vous à cela. Et vous savez, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Peut-être il va analyser un petit peu votre personnalité, votre caractère. Il peut vous faire des surprises, essayer de trouver une approche vers vous. Mais ça peut être quelque chose qui n'est pas ordinaire, donc elle peut vous surprendre pendant ce rendez-vous amoureux. Donc voilà, et vous savez, alors très intéressant, parce que nous avons ici donc la grande prêtresse et nous avons le magicien. Vous savez comment on voit ici deux personnalités, madame et monsieur, et vous pouvez tout réussir donc dans votre vie, pendant ce week-end, pas principalement. Et vous savez aussi, cette carte, le magicien, ça montre aussi que vous devez avoir confiance en vous, donc pour ce week-end, pour réaliser vos projets et dans votre vie en général. Par exemple, si vous avez posé une certaine question par rapport à votre avis, je pense que la réponse elle est positive parce que nous avons vu cette carte, la force, la carte magicien, confiance en vous, vous avez un caractère fort pour réussir ce que vous souhaitez. Et la carte le soleil, vous savez, c'est le succès, le résultat, la victoire. Eh bien, c'est très très intéressant. Mais par rapport à ce monsieur, je dois vous dire que préparez-vous, il va essayer de vous séduire. Probablement, c'est quelqu'un qui est aussi une puissance dans son caractère quand il réalise toutes ses pensées, donc au résultat, comme vous savez, par une magie, eh bien, qu'est-ce qu'il doit savoir d'autre? Et vous savez, peut-être, vous serez orienté vers le futur, peut-être il y aura certains changements qui vont se passer pendant ce week-end quand vous quittez votre passé, ou voilà, par rapport à certains projets qui vont vous orienter vers le futur, vers les perspectives, juste après le monsieur. Donc, monsieur, il va jouer un rôle important. Et alors, j'adore parce que, vous savez, ces perspectives et cette future vie pour vous, madame, mais ça sera quelque chose, mais confortable et stable. Donc là, ici, j'ai l'énergie de madame. Déjà, quand vous prenez le plaisir dans votre vie, on voit ici, vous faites du shopping. Et vous savez, c'est un symbole d'une femme qui a déjà sa réussite. Quand vous pouvez avoir une réalisation dans votre travail, c'est important pour vous. Vous pouvez avoir le confort, donc la réussite. Et vous êtes orienté vers cela. Et même, et si on regarde la vie amoureuse, vous êtes orienté vers la création de la famille, la relation stable. Donc ça, c'est très, très important pour vous. Donc voilà, je pense qu'un accent sur madame, peut-être vous allez passer du temps dans votre famille et vous allez vous projeter avec vos perspectives, projets, peut-être dans la création de la famille également. Et alors, vous êtes une femme amoureuse. Eh bien, très, très intéressant. Vous êtes en même temps quelqu'un romantique. Vous pouvez être sensible. Vous rêvez beaucoup par rapport à votre futur. Et vous savez, c'est aussi une femme qu'on aime. Donc, vous devez quand même savoir que ce monsieur qui va apparaître pendant ce week-end dans votre vie, il a des sentiments par rapport à vous. Eh bien, il y aura déjà un accent sur l'amour mutuel. Vous savez quand peut-être vraiment vous pouvez développer votre relation. Donc, c'est sûr qu'il y a un accent sur les sentiments qui se développent. Donc voilà, et eh bien je vois quand même ici deux personnalités, un homme qui est quand même assez fort, et madame aussi, parce que vous pouvez être aussi charmante et donc attirante, et vous êtes orientée aussi vers la stabilité, vous aimez un petit peu profiter de la vie, et sensible, romantique en même temps, et eh bien, et regardez alors, j'adore parce que l'une carte est meilleure que d'autres, mais regardez vraiment le week-end, le résultat qui vous attend, c'est quand vraiment vous êtes ici en couple, vous profitez l'un de l'autre, vous vous faites plaisir, vous savez, c'est la carte parmi les meilleures aussi dans le tarot, quand vous avez des bons sentiments, peut-être l'amour, le bonheur qui arrive. Et vraiment, là, ici, on voit ce couple. Ou peut-être un accent justement sur la création de la famille. Donc là, ici, sur la carte, on voit aussi les enfants, que tout est possible pour vous. Et peut-être il y aura plein de planifications et projets par rapport à cela. Et bien, et quand vous prenez vraiment du plaisir pendant ce week-end. Et alors, vous savez, j'ai un accent soit sur monsieur qui est célibataire en ce moment, ou aussi un petit peu quand vous allez vous poser un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre vie. Vous allez chercher des réponses, peut-être même dans les tirages tarot. Donc,
c'est possible que vous allez poser des questions par rapport à cet homme, à votre avis, prochainement. Alors, je vais vous donner la réponse. Regardez, c'est magnifique parce que là, je vois l'énergie de monsieur ici. Il sera aussi orienté vers la stabilité et le confort. Et vous êtes ici dans les mêmes énergies. Voyez quand vous aimez vraiment avoir cette stabilité, la relation stable également, donc être en couple, la création de la famille. Vous êtes ici pareil. Donc voilà, et j'ai un accent aussi que monsieur de la vie de célibataire, quand on était absolument seul, qu'est-ce qu'on arrive vers la création de la famille, vers un homme qui apprécie énormément cela, et pour lui, ça sera quelque chose de très, très important. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre par rapport à ce week-end? Alors, préparez-vous, il y aura un cadeau donc pour vous, donc voilà, une surprise, quelque chose qui va vous faire énormément de plaisir. Donc voilà, vous savez, ça peut être quelque chose assez important. C'est pas tout simplement une petite surprise, mais un bon cadeau. Donc voilà, eh bien, je pense que ça va venir de la part de monsieur, donc juste à côté de monsieur, donc pendant ce rendez-vous amoureux, eh bien, et alors j'adore parce que, madame, vous allez vous sentir, mais quelqu'un actif, ça va vous donner plein d'énergie, motivation, peut-être pour apporter des changements dans votre vie. Donc là, j'ai aussi la carte de la passion. Et même, vous savez, c'est la carte de rapidité. Quand peut-être après ce rendez-vous, ces événements qui vont se passer pendant ce week-end, vous allez avoir envie et désir absolu de changer votre vie. Donc voilà, préparez-vous. Et c'est aussi un petit peu la carte des surprises. Quelque chose soudain, peut-être l'arrivée de monsieur sera quelque chose assez soudain pour vous, une surprise. Eh bien, quel sera le résultat? Ben déjà, je vois quand même que vous allez profiter un petit peu de la vie. La carte de fête, également, quand peut-être vous pouvez prendre un verre entre les copines, donc parmi vos amis. Donc voilà, il y a quelque chose aussi des bonnes nouvelles à fêter. Peut-être, est-ce qu'il n'y aura pas une demande donc de la part de monsieur et vous allez fêter cela avec un petit cadeau, une surprise? Eh bien, très, très intéressant. Et alors, vous savez, je vois quand même, madame, que vous allez réfléchir beaucoup par rapport à votre futur. Donc voilà, vous allez peut-être faire un petit peu capricieuse, donc par rapport à cet homme et donc vos perspectives. Mais attention, parce que cette carte, ça montre que vous ne devez pas être en état d'apathie. Il y a quand même des perspectives autour de vous, vraiment la chance, des bons sentiments, bonheur, juste à prendre, tout simplement dans votre vie. Et vous devez voir ces perspectives d'évolution dans le futur. Et justement, regardez, j'ai un accent toujours sur l'amour, sur le petit plaisir que vous pouvez avoir donc pendant ce week-end. Et vous allez vous sentir aussi quelqu'un romantique. Je pense que c'est vraiment ce cadeau qui va vous faire énormément de plaisir. Donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez, j'ai aussi un accent que vous ne devez pas vous renfermer. Soyez absolument ouverte, peut-être vers cet homme. Qu'est-ce qu'il vous souhaite vous dire? Donc il faut vraiment écouter au début. Et il faut être absolument ouverte vers les perspectives parce que il y a quand même un résultat qu'il n'est pas loin dans votre vie. Donc là, j'ai aussi un accent qui peut être en ce moment, vous êtes un petit peu en état d'attente. Donc, qu'est-ce que ça peut donner dans le futur? Comment ma vie peut changer? Mais le résultat, il n'est pas loin. Vous recevez déjà des perspectives, donc un petit peu les cadeaux de destin, la chance qui arrive dans votre vie. Il faut tout simplement être ouvert et accepter cela pour que votre vie évolue. Et alors, il aura plein de rêves et fantasmes. Donc, préparez-vous. Mais vous savez, en général, dans le tarot classique, c'est la carte des illusions. Mais dans ce tarot, ça montre que tous vos rêves et désirs, c'est positif et vous pouvez les réaliser. Et toujours un accent, je dis toujours qu'il faut rêver et tout commence par un rêve. Les rêves, les fantasmes, nos projets, des plans. Et après, petit à petit, quand la vie nous donne la chance, on peut réaliser cela. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, j'adore, j'arrête parce que, regardez, c'est la carte de l'amour de nouveau. C'est un nouveau départ que vous pouvez avoir. Mais c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire que votre relation, c'est un nouveau départ, peut-être des perspectives. Oh, vous savez, c'est quand vraiment il y a plein de sentiments et l'amour qui déborde. Ça peut être la déclaration d'amour ou la demande d'un mariage. Donc, préparez-vous, quelque chose de très, très important qui peut se produire pendant ce week-end. Et vous savez, c'est une très belle carte en général, ça montre mais plein de bons sentiments, ça vous déborde. Et c'est comme un moment d'euphorie. Donc, pour vous, que tellement c'est important et grandiose. Donc, voilà, et bien, et vous savez, c'est aussi un petit peu la carte de l'inspiration. Quand peut-être vous, madame, vous pouvez inspirer monsieur pour qu'il se montre absolument à ses sentiments.
ces projets par rapport à votre futur, eh bien, très, très intéressant. Eh bien, je vois quand même que le booking sera très intéressant. Donc, mesdames, préparez-vous à l'heure. Eh bien, je vais voir la carte de conseil. Comment vous devez vous comporter? Eh bien, soyez vraiment une femme digne. Vous savez, quand vous pouvez montrer votre personnalité, qui est peut-être même un petit peu exigeante. Je vois aussi ici la femme qui a déjà quelque chose dans sa vie. Quand vous avez cette réussite, vous pouvez vous faire plaisir. Et toujours cet accent sur une femme qui souhaite avoir la stabilité et le confort. Bah, vous savez, cette carte dans le tarot classique, ça montre aussi que vous pouvez avoir tout ce confort et, par exemple, le plaisir dans votre vie avec le monsieur qui vous accompagne, qui est votre compagnon, peut-être votre mari. Donc voilà, et comment vous devez vous comporter? Bah, peut-être de cette façon que vous avez besoin de cela et vous êtes absolument ouverte vers ces perspectives. Et donc voilà, il faut se montrer de cette façon que vous êtes une femme qui a plein de qualités. Donc, et vous cherchez un homme qui est digne de vous en même temps. Et la carte aussi, qui est la carte de prospérité. Quand vous vous faites plaisir, profitez vraiment de la vie pendant ce week-end. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. Bonheur, amour, prenez le risque pour changer votre vie. Passion, bien sûr, parce que le destin vous appartient.